Messieurs, dames, bonjour. Le livreur vient de passer. Et donc, toujours à la recherche de lumière pour s'éclairer un peu mieux. Donc, c'est la Falcon Eyes, le 28, donc le 28 cm. J'ai vu des grosses chaînes présenter la 68. Moi, à mon niveau, je ne peux pas prendre plus gros. Déjà, c'est plus cher, beaucoup plus cher pour moi. Des deux, ceci me suffit amplement pour ce que je veux en faire. Et donc voilà, c'est celui-là qui va compléter mon petit parc de LED. Comparé au Viltrox, c'est déjà un gamme au-dessus. Hop, tu y vas. Voilà. Et voilà. Donc la SO28TD, donc il fait 28 cm de diamètre. Hein. Ici, la différence avec les LED qu'on a l'habitude de voir, c'est que les LED, en fait, ils ne sont pas orientés vers devant, mais ils sont plutôt orientés vers l'arrière. Donc il va percuter l'arrière pour rendre la lumière. D'après les commentaires que j'ai vus sur les nets, un des meilleurs, si ce n'est pas le meilleur en tout cas, de sa catégorie. À l'arrière, vous avez un emplacement pour batterie si vous voulez le rendre un peu plus nomade. Le réglage de température de couleur, power on off et l'alimentation qui est ici en prise, bien sûr, européenne. Et le transfo. Voilà. Manuel en chinois et en anglais. Donc, il passe de 3300K à du 5600. Donc, 37 x 34 x 6, dimension totale. Il pèse 1 kg 130. Testons-le. En tout cas, on sent tout de suite la qualité de fabrication. Hein. C'est pas une lampe, c'est pas une lumière à 2 balles, quoi, on va dire. Hein. On sent tout de suite que c'est quelque chose de très qualitatif. On va la brancher, hop, clac. Donc ici, si vous le bougez vers la gauche, c'est pour allumer quand il sera en mode batterie. Vers la droite, c'est l'alimentation. Donc nous, on va bien sûr y aller vers la droite. Donc voilà. On va augmenter. Donc on est au minimum à 3000K. Je ne sais pas si vous allez arriver à le lire. 3000K et je vais l'augmenter le pourcentage doucement. Là, je suis à 10%. 3000K à 10%. 3000K à 50%. 3000K à 100%. Voilà. Alors, je vais augmenter. Aller jusqu'au maximum à 5600. Donc là, je suis à 5600 à 100% de sa puissance, pardon. Comme ça, hop. Là, j'ai complètement cramé. Très éblouissant, en tout cas. Si je le compare au Viltrox, en tout cas, celui-ci, je dirais 2 à 3 fois plus lumineuse. Et que c'est pas non plus le même calibre, c'est pas non plus le même matériau qui sont utilisés. Si c'est du full métal, sur la Viltrox, ce sera en plastique. Pas le même prix non plus. Un de celui-là remplacera carrément 2 du Viltrox ou 3 du Viltrox. Donc en conclusion, cette lampe, je suis pas déçu du tout. Je vous ferai peut-être voir la prochaine fois la petite différence entre les deux. Je vais les mettre côte à côte et les filmer tous les deux, les mettre sur les mêmes longueurs d'onde. Comme ça, vous allez voir la différence réelle entre les deux. Mais bon, encore une fois, ce n'est pas du tout la vocation de ma chaîne. C'est juste parce que voilà, il y en a quelques-uns de youtubeurs francophones qui ont testé la version 68, donc la toute grande de ces Falcon Eyes.
J'en ai pas vu en tout cas en 28. Donc il existe en trois sortes, hein, donc le SO28TD, donc celui-ci. Puis le suivant, c'est un 48TD. Et la toute grande, c'est un 68TD. Pour moi, celui-ci me suffit amplement parce qu'il va accompagner mes trois autres LED. Je pense que ça suffira amplement pour éclaircir ma scène ou ma gueule. Donc voilà. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé ce court vidéo. Et à la prochaine. Au revoir.